sénateur Moïse Jean-Charles, ben non, ultimatum 3 jours. Est-ce que nous entendons respecter ultimatum ça? Il est en train de perdre le Nord. Sénateur, s'il fait toute erreur, craser tout ça, nous t'a fait. Nous t'a fait manifestation le 12 janvier, le bas, fait pas. Il craser tout le secteur populaire, t'a fait. Nous mettons le dehors dans le secteur, il vient parler avec nous, le voyer des émissaires, nous parler, nous rechita, nous guider des mois, nous chita. Qu'on y a nous accoucher un bagage, il craser l'encore. Pas oublier l'homme d'avoir fait manifestation, il a osé parler de trêve. Ceux qui avaient un petit peu calmé les choses et fait que Barayo vienne diminuer, c'est il est dans ses habitudes et ou bien c'est job sale même pour craser mobilisation peuple là. Non, attendez, pas de ultimatum. Toute organisation de base, PIA, qui demande une unité dans le secteur démocratique et populaire, nous arrivons presque à la coucher unité ça. Et puis, pendant nous parler en conférence vendredi, en conférence unitaire, pas petite de Saline, c'est parti prenante dans cette démarche. À minuit, nous recevons en lettre, côté 15 participants, ils ont demandé pour nous faire camper, pour nous réévaluer, ça nous parle présenter, hein, de façon parce qu'ils ont gagné quelques remarques. Et ce qui nous avait étonné, c'était la signature des représentants de Petite Dessalines. Pour qui ça, toute la journée, c'est toujours Petite Dessalines, c'est sénateur Moïse. Et les militants de Petite Dessalines sont honnêtes. Ils ont pas compris que sénateur a joué double jeu. C'est ça qui passait. Effectivement, pour la réunion d'hier, il y avait eu une réunion. Côté nous avons évalué comment pour nous capables de répondre 15 partis politiques. Sénateur Moïse est mandaté. Yon moun pour mander nous yon rencontre à 8h. Et nous te gérons rencontre à 6h. Au cours de rencontre, là, la personne qui a été mandatée dit nous que sénateur mandate rencontre à 8h, que nous avions refusé. Nous n'avons pas rencontré sénateur pour quoi? Nous avons rencontré les 15 partis signataires qui te mandé nous pour nous camper sous processus de signature protocole là. Ce que nous avions fait. Ce matin, nous avions envoyé une correspondance à tous les partis signataires pour nous dire, nous prêts pour nous rencontrer. Cependant, sénateur, ouais, que tout le monde a comment comprendre que son équipe joue double jeu, son équipe a double visage, son équipe a crasé lutte populaire, et monsieur Konya a fait des déclarations à bras catabrant pour essayer de justifier l'injustifiable. Effectivement, il y a une réunion, il y avait une réunion, et puis, mais qui t'a concerné, sénateur Moïse? Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, ben non, ultimatum 3 jours, est-ce que nous entendons respecter ultimatum ça? Il est en train de perdre le Nord. Sénateur, s'il fait toute erreur, craser tout ça, nous t'a fait. Nous t'a fait manifestation le 12 janvier, le bas, fait pas. Il craser tout le secteur populaire, t'a fait. Nous mettons le dehors dans le secteur, il vient parler avec nous, le voyer des émissaires, nous parler, nous rechita, nous guider des mois, nous chita. Qu'on y a nous accoucher un bagage, il craser l'encore. Pas oublier l'homme d'après faire manifestation, il a osé parler de trêve. Ceux qui avaient un petit peu calmé les choses et fait que Barayo vienne diminuer, c'est, il est dans ses habitudes et ou bien c'est job sale même pour craser mobilisation peuple là. Non, attendez, pas de ultimatum. Secteur démocratique populaire, plateforme Petite Dessalines, non, t'assemblée dans l'impasse. L'idée plateforme nous saute cité à ancien sénateur Moïse Jean-Charles, voyez jeter diverses accusations qu'est l'idée dans le secteur s'il a fait contre lui, avec tentative qu'a fait pour mettre le dehors dans la conférence secteur démocratique là. Nous mettons en pack ensemble. Nous choisissons monde qui pour se préparer document. Vous d'accord avec nous? Document après, je vais m'encore écraser. Dans le document, il y a plusieurs recommandations nous faire. Je ne pas tenir comme des. Malgré tout, je me dis ma pile quand même. Nous vivons, dans Real GM, nous restons qui là, qui est l'ambiance, je ne vais jamais mettre pied après une heure de temps. Nous allons encore dimanche matin pour nous faire l'autre conférence, pour nous dire, on essaie de réunir dimanche, pour annoncer comme le plan, qui date, n'a fait conférence tant pour nous tirer encore ensemble. Je dis, 7h. D'accord, 7h. Après, je dis, non, c'est 8h dans l'hôtel Oasis, même te faire miraille devant. C'est pendant nous, on va monter, je dis, sénateur El Kassi, l'Alnani. Yon déclaration, yon bras droit ancien sénateur Moïse Charles, yon confirmé, Muraille Jean-Mirto, révélé différentes tentatives que la membre secteur démocratique l'a fait pour boycotter l'idée plateforme Petite Dessalines dans une réunion. Nous te mettez comme un côté en dedans pour nous garder grand monde qui a couru parce que ouais, yon Petite Dessalines qui t'a veillé yon pour jouer coquin. Nous te ouais, Nenel Kassi, nous pas de quoi ça, Nenel. Les n'a pas les avec ou pas même qu'à camper. Mais pas de cagé téléphone tout pour te dire reste, moun yo pas sorti parce que yon Petite Dessalines j'ai le calé là.
et bien nous t'aurons tout, si les bidons. Nous t'aurons Majorie Michel, tout c'était content. Nous te ouais, Evalier Beauplan tout. Nous te ouais, eh bien André Michel qui t'a couru. Nous te ouais, Anthony Barbier, comme un grand monde. Pour être grand monde qui t'a couru parce que yon a joué de coquin. Moïse Jean-Charles Baye, dirigeant secteur démocratique, yon 3 jours pour fixer une date pour conférence là, ancien parlementaire, menacé passer à l'action si l'ultimatum n'y a pas respecté. Les Parisiens, passons nos bouts. Dans le cas ça, moi nous en danger, les Parisiens. Nous baille! Équipe moun secteur démocratique yo 3 jours nous ba lundi nous ba mardi nous ba mercredi pour dire nous qui la confiance la fête dans pays ya. Nous croiser pied nous n'a garder tout le monde nous autoriser à parler avec patron yo c'est le bagaille yo relem à 2e plat yo relem à 5e midi à plat yo relem de matin 9h c'est pour dire nous qui jour conférence nationale là conférence secteur démocratique là la organiser pour la guerre haïtien sinon yo pas faire ça. Jeudi matin, puis ça n'a pas l'autre décision. Il y a un désaccord qui risque de diviser Pipli son position. Dans un moment, en pile monde estime qu'il est capital pour PIA, pour opposition, t'as mis tête li ensemble pour forcer le régime tête calé deuxième version, fait back sur une série de décisions qui pas dans intérêt population. Reginald Rémy, Caraïbe FM. Merci un peu le Reginald Rémy concernant en tout cas bouche l'ouvrier ou bien et mes ententes qui gagnent dans un secteur qui dit démocratique là qui même voulait unifier mais qui jusqu'à présent pourquoi arriver entendre d'ailleurs gagner un document yo t'a droit signé qui pourquoi capable signé et sénateur Maurice Jean-Charles qui lui-même bail 3 jours pour eh ben document ça lui capable à signer un ultimatum que sénateur ou bien ancien sénateur Schiller Ludor lui-même lui est pas bail trop importance à côté lui fait qu'on est ben ça qui a pas dit lui est pas trop important pour eux donc c'est ça fait ultimatum non lui pas concerné yo donc nous on parlait là de Schiller Ludor qui lui-même fait qu'on est et que yo pas prend un an ultimatum donc il a continué travail pour permettre que yo arrivé et réuni et fait unité dans secteur là docteur Schiller Ludor lui était parlé à Reginald Rémy. Donc, d'en venir avec déclaration, docteur Schiller Ludor, après, en tout cas, décision, plateforme Petite Dessalines, qui, yo même, bail 3 jours, avec, groupe, secteur démocratique, là, pour que, yo capable, mettez, yo, d'accord, pour signer, document, ça, qui, a permettre que, secteur, là, li, et fait tête ensemble, en côté, docteur Schiller Ludor. Toute organisation de base, PIA, qui mandait une unité dans le secteur démocratique et populaire. Nous rivez presque après la coucher unité ça. Et puis, pendant nous parler en conférence vendredi, en conférence unitaire, pas petite de Saline, c'est partie prenante dans cette démarche. À minuit, nous recevons en lettre, côté 15 participants, ils ont demandé pour nous frontir camper, pour nous réévaluer, ça nous parle présenter, hein, de façon parce qu'ils ont gagné quelques remarques. Et ce qui nous avait étonné, c'était la signature des représentants de Petite Dessalines. Pour qui ça, toute la journée, c'est toujours Petite Dessalines, c'est sénateur Moïse. Et les militants de Petite Dessalines sont honnêtes. Ils ont pourquoi comprendre que sénateur a joué double jeu. C'est ça qui passait. Effectivement, pour la réunion d'hier, il y avait eu une réunion. Côté nous avons évalué comment pour nous capables de répondre 15 partis politiques. Sénateur Moïse est mandaté. Il y a un monde pour demander nous une rencontre à 8h. Et nous, nous t'ai rencontré à 6 heures. Au cours de rencontre, là, la personne qui a été mandatée dit nous que le sénateur m'a rencontré à 8 heures, que nous avions refusé. Nous n'avons pas rencontré le sénateur pour quoi? Nous avons rencontré les 15 partis signataires qui demandaient nous pour nous faire camper sous processus de signature protocole, là. Ce que nous avions fait. Ce matin, nous avions envoyé une correspondance à tous les partis signataires pour nous dire nous prêts pour nous rencontrer. Cependant, sénateur, ouais que tout le monde a compris que son équipe joue double jeu, son équipe a double visage, son équipe a casé lutte populaire, et M. Konya a fait des déclarations à bras catabrantes pour essayer de justifier l'injustifiable. Effectivement, il y a une réunion, il y avait une réunion, et puis, mais qui pas concerné sénateur Moïse. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, ben non, ultimatum 3 jours, est-ce que nous entendons respecter ultimatum ça?
il est en train de perdre le Nord. Sénateur fin fait toute erreur, craser toute sa date, nous t'a fait. Nous t'a fait manifestation le 12 janvier, le bas a fait pâle. Il craser tout le secteur populaire t'a fait. Nous mettons le dehors dans le secteur, il vient parler avec nous, le voyer des émissaires, nous parler, nous rechita, nous guider des mois dans chita. Qu'on y a nous accouché un bagage, il craser l'encore. Pas oublier l'homme d'avoir fait manifestation, il a osé parler de trêve, ce qui avait un petit peu calmé les choses et fait que Barayo vient diminuer. C'est, il est dans ses habitudes et ou bien c'est job sale gain même pour craser mobilisation peuple là. Nous disons, pas gain ultimatum. Nous priorisons la tolérance et le dialogue. En politique, il faut être patient. Mais cette question d'ultimatum, ben, 3 jours, écoutez, ça c'est pas qui concerne le sénateur Moïse. Et nous n'avons pas obéi à l'ultimatum aucun monde, pendant que nous avons respecté le dialogue, compromis, la tolérance et le respect. Donc si nous n'arrivons pas à mettre tête nous ensemble, on nous dit que nous n'avons pas pris l'ultimatum dans mes anciens sénateurs Moïse Jean-Charles, qui prend l'avenir conférence que nous avons planifiée? Oh, très belle question. Nous nous clairons sous position, la famille Laval. Jovenel doit partir. Et il va partir. M'assure que, si sénateur Moïse pas fait ça, le fait là, je dis à la calendrier, mobilisation tape déjà dehors et Jovenel tape déjà commencé à souquer, presque tomber. Nous sommes en concertation. L'unité va être faite et le peuple va prendre des selles en main. Ce peuple là qui va pas manger. C'est le classement qui va le Chili, qui va le Brésil. Voilà, on t'a pas écouté la déclaration. Docteur Schiller, lui doit, hein, question, est-ce que monsieur a privé Antonio, là, depuis Couliard, il y a des difficultés pour, yo, aussi, un document ça. Mais division, toujours, c'est, mais c'est, cette fois-ci, c'est dans le secteur droit moun, sous choix moun, qui t'a doué à le représenter OPC, pas OPC, mais sous choix trois noms, qui t'a doué à le joindre OPC, et OPC qui les mêmes aptables gagnants pour désigner yo moun pour le représenter secteur droit moun, à niveau CSPJ. Oui, si Gilles a pas qu'à coordonner le processus lente, ben, il y a lundi 4 juin comme dernier délai pour finir le processus recevoir dossier. Eh bien, il y a l'autre groupe organisation Droit Monde décidé là à choisir 3 non-monde pour voyer OPC. Élection, ça a déroulé le 1er juin passé. Hein, c'était dans le palais de justice Port-au-Prince. 3 monde qui élu se mettent Jacques Seyus, Joseph avec 32 voix mettent et mais Rémi, 23 voix à Kemet Smith, policier, 19 voix. Et observatoire haïtien Droit Mounio a critiqué CGLAPA qui parlait tant des raisons, malgré réserve, quelques organisations dans ce secteur-là. Résultat, cap sorti dans l'élection, ça y est, CGLAPA bien pour organiser, sans valeur, d'après Maître Joanne Merzius, qui est dans le micro, Wendy Schall. Déclaration, maître Joannet, oui, Merzius, concernant division, ça qui est dans un secteur démocratique là, sous choix 3 monde qui doit aller joindre OPC pour Yon Ladayo à le représenter secteur ça dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Nous parler dans Washington, guerrier côté, il y a une rencontre qui est faite ce maintenant dans le département d'État américain Haïti, absent, hein, c'était une rencontre qui est faite sous pays Venezuela. En fait, c'est 48e Assemblée Générale Ordinaire Organisation État Américain OEA qui est déroulée dans Washington hier. Ministre des Affaires étrangères Antonio Rodriguez était prend la parole pour défendre plan gouvernance pouvoir à tête cale deuxième version. Mais gagné, ils ont rencontre que gouvernement américain les mêmes étaient organisés, donc sont rencontre d'accord dit séparés de 48e Assemblée Générale Ordinaire
ordinaire là, mais c'est avec deux représentants qui ont ensemble pays et Haïti, les mêmes étaient absents. Et nous gagnons ensemble avec nous Fernando Estimé qui les mêmes pralbano plus d'informations sur ça. Donc selon ça nous capables dans un article là, donc gouvernement américain les Haïtiens étaient absents, donc les pas invités dans une réception spéciale Maison Blanche était organisée lundi soir pour de gouvernements qui partageaient même l'idée avec le gouvernement américain. Fernando, bonjour. Allô? Bonjour Pierre-Winel, bonjour Guerrier, moi salue tout auditeur Radio Caraïbe. Oui, on nous essayer mettre dans le contexte les rencontres ou bien réception spéciale ça qui fait là. Les fêtes sans doute en marge de 48e Assemblée Générale Ordinaire Organisation État Américain OEA. Je suis content de faire précision ça. Gen Kounia qui a déroulé dans Washington, côté siège Organisation État Américain OEA. Ça aurait les 48e Assemblée Générale Ordinaire, organisation hémisphérique, la CAPSEL. Haïti, où qu'on est président Jovenel Moïse, à peine sorti Taïwan lui-même. Donc, c'est ministre Affaires étrangères noir, Antonio Rodrigue, c'est lui-même qui chef délégation Haïti, qui a participé dans ce message, qui a fait aux États-Unis. Continent, son continent qui divisé, pratiquement très très divisé même, depuis un certain temps. Mais qui sait si dans la politique, dans bon la droite, yo, les yo monté, il y a un problème avec les qui étaient dans la gauche. Yo. Et c'est comme ça pratiquement, c'est toujours lié dans le continent américain. Dans l'époque 2003-2004, c'est une vague de gauche dans le continent, hein? Que ce soit Uruguay, que ce soit Brésil, que ce soit Argentine, Venezuela, et même au Pérou, Hollande, ou Malatement qui gagne élection. Donc, pis faux pays dans la zone, en Amérique du Sud, là, surtout, t'as dirigé par des pouvoirs de gauche. Et pouvoir ça, yo, même les tous les deux étaient de gauche, mais gauche Michel Bachelet au Chili, gauche Lula au Brésil, là, pas même bagage avec gauche qui t'a dirigé pays Venezuela côté Chavez qui sous pouvoir. Eh bien, c'est comme ça, on est l'autre grand pouvoir, c'est alternance si bien droit fait, si résultat ou pas au point, et puis l'autre parti a gouvernement pour grand pouvoir. Eh bien, depuis fin pratiquement 2010-2011, dans la zone a commencé à tourner à droite. Eh bien, dans le retour à droite, là, il y a deux pouvoirs qui ont monté, qui viennent de l'autre problème avec le pouvoir, et il y a un pays qui a un problème interne. Le pays qui a un plus gros problème interne dans la zone, c'est Venezuela. Venezuela, côté opposition, en a bouche l'ouvrie, avec pouvoir en place là, pouvoir président Chavez qui même vient mourir. C'est Maduro qui pratiquement héritier de pouvoir. Et Maduro lui-même, c'est contesté non seulement à l'intérieur de pays, bon, pas tout le monde dans pays, mais il y a un monde dans pays qui était contesté pour voir en place là. Pour voir en place là, tout, fait si jouer de coquin tout, parce que Maduro fait quelques petits coquins. Il y a des bails, il fait qu'il pas vraiment prévoir pour le défaite. Il retire, par exemple, presque tout pouvoir parlement, t'as capable de bien, il fait ça, ou il l'ont assemblée constituante. Pour le décafonger, pour le retirer quelques dents dans le bouche parlement, parce que parlement, c'est opposition qui t'a dirigé. Donc, c'est de bonne guerre, c'est politique qu'a fait. Mais dans zone là, opposition a gagné allié le tout. Et allié opposition a été mobilisé pour dire qu'il y a des bagailles qui ont passé au Venezuela, bagailles ça a violé principe démocratique dans zone là. Il dit Venezuela non seulement pas respecté droit opposant, il y a des opposants qui prend prison, il y a l'autre qui est obligé à prendre exil, et il y a une crise économique qui est très très aiguë au Venezuela. Donc pression est pratiquement à l'extrême sous gouvernement Maduro. Et gouvernement Maduro depuis sous Chavez, il y a un gros problème avec les États-Unis. Nous songez tout nos droits, que même nous-mêmes, nous pas qu'à répéter dans la radio,
que président Chavez te kon bay président George Bush. Donc vraiment, c'est une histoire de je t'aime et moi non plus. Et bien, dans le cadre d'organisation hémisphérique là, qui c'est OEA, pays ont demandé, par exemple, quelques pays, notamment les États-Unis, te dit donc faut Venezuela respecter les jouets là. Parce que vous avez l'impression que le gouvernement Maduro n'a pas respecté les jouets démocratiques que l'État supposé respecter dans la zone là. Je dis non seulement élection qu'a fait, yo gen délai, yo font si fin rivel, on l'a fait moyenne 5 de 0, et puis là, on va y caner à ouest, ou effacer 5, l'on mette 7, et puis, comme ça, bah, elle a dégénéré. C'est bon, première tentative qui était faite, et tentative là, même Luis Almagro de l'EMS, Luis Almagro de l'EMS, c'est lui-même qui secrétaire général, organisation que les organisations État américain. Dans l'époque ça, vous avez organisé, vous avez regardé si vous avez pris des sanctions contre le Venezuela, notamment des Venezuela font y camper, parce que Venezuela n'a pas respecté le principe jouet démocratique dans le jouet là. Ça, c'est selon ça, pays qui pas bien à Venezuela, vous dit. Mais le vote l'a fait. Maria pas bougé, lui était là, parce que Venezuela, entre-temps, et depuis sous Chavez, c'est des pays dans la zone qui étaient alliés. Même les Michel Temer, qui c'est la droite jodia au Brésil, pas bien avec. Argentine, qui est dirigée par Mauricio Macri, pas dans le pays du tout. Pays Colombie, pas en mine du tout, Manuel Santos, pas signé avec. Évidemment, pour les États-Unis, c'est pas un secret, pas une bonne relation. Mais nombre de votes que pays ça a besoin, puis au bail Venezuela font y camper, il y a pas de nombre de votes ça, parce que sous Chavez, Venezuela t'est organisé pour non seulement un gros leader régional, mais il était maintenu amitié ça avec programme nous connaît qui était le programme Petro-Caribéa. Petro-Caribéa, c'est un programme que côté Venezuela ça bail un certain nombre de pays pétrole à crédit à un prix préférentiel que pays ont gain pour payer à l'avenir. Sous prêté matin en même là 200 gouttes Pierre-Onel René à midi yo pas ka venir reler pour dire c'est où qu'a parlé mal dans Richard Van parce combien 200 gouttes dans mon. Eh bien, ces situations, ça, on paquet de pays dans la zone, n'a été trouvé, les dossiers ont été présentés pour dire fois, dans le cadre OEA. Parce que il y a des pays dans la zone qui étaient non seulement bénéficiés de largesse régime, nan, et qui style de régime, nan. Un pays comme Haïti, par exemple, nous-mêmes, n'avons pas parlé tout le temps de cause Petro-Caribé, n'avons dit qu'on basse mal, nous pas connaissé si c'est loi qui râle Cobla. Mais m'a dit non, même si c'est loi qui râle Cobla, n'a toujours doué Venezuela parce que nous t'es si rien que nous doué. C'est-à-dire, même si on moun breto 500 gouttes de Pierre-Onel René, ou aller marcher Salomon avec, ou manger l'on seul jour, ou bien on est prendre les fumées cocaïne avec, ça va vous ou pas doué 500 gouttes là parce que t'es si rien papier ou toujours doué. Fernando estimé. Donc, Haïti jodi a doué Venezuela près de 2 milliards de dollars américains. Il t'a qu'à plus vite. C'est parce que Venezuela, t'es annulé en partie dans la dette là à l'époque CIT 12 janvier 2010 là. Fernando Estimé. Oui. D'abord, dollars et gagné un ensemble de pays d'ailleurs qui présentaient un projet de résolution pour en fait c'est États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Chili, Argentine et Pérou pour demander avec membre organisation hein, pour pas reconnaître résultat élection au Venezuela et demander pour retirer ou bien suspendre Venezuela dans OEA. Donc Haïti lui-même États-Unis a demandé pour voter pour mettre Venezuela dehors. Nous peuple haïtien, citoyen haïtien, yo, qui ça, qui comment a gouvernement haïtien t'a droit positionnel par rapport à demande États-Unis et ou se rappeler là de relation Haïti avec Venezuela. Eh bien justement, mise en contexte là important et c'est ça qui va continuer la mise en contexte là. Donc Haïti est doué Venezuela, Haïti est bénéficié de Petro-Caribé, mais elle pas fait aucun doute pour aucun monde en Haïti, le pays avec lequel Haïti gagne plus de relations qui se réa,
les États-Unis d'Amérique. Il se trouve que deux pays saillants n'ont deux bords opposés. États-Unis trouvés et au sortir de pays là, c'est des pays qui constituaient ça relais le groupe de Lima. Groupe de Lima qui réunit 14 pays et 14 pays saillants, c'est pays qui pas dans ses collés avec gouvernement vénézuélien. Eh bien, c'est groupe de Lima lui-même qui présente une résolution justement pour demander que l'Assemblée générale l'a voté pour ne pas reconnaître résultat élection qui sont faites au Venezuela. Élection m'a rappelé que on parti dans l'opposition a été boycotté et monde dans l'opposition a été participé à dit élection a gain coquin li pas reconnaître résultat. On y a groupe de Lima qui l'a présenté dossier a, mais faut vote fait tout le pour tout le monde positionner. M'a rappelé que organisation état américain son organisation qui gagne 33 pays là-dedans. Alors, t'as qu'à dire 34, parce que Cuba a réintégré, mais Cuba n'a pas jamais ouvert le siège. Donc, il y a 33 pays probablement qui ont voté. Donc, 33, majorité à ces 17 liés. Groupe de Lima a gagné 14. États-Unis avec l'autre pays, groupe de Lima, coutisé, nous utilisons le langage diplomatique, ça. Alors, kouti, si a, ou gen doit régler le pression amicale, ou gen doit régler l'offre davantage, ou gen doit régler le jonvle. Mais c'est kouti, zo, vin kouti, zo, fi. Donc, c'est pays, yo, groupe de Lima, yo, a koutisé des pays, pour garder comment pays, ça, yo, capable décider voter, dans le sens groupe de Lima, c'est-à-dire, pour pas reconnaître l'élection qui fait au Venezuela, yo, et donc plus haut après sanction contre le régime qui est en place Venezuela. États-Unis, c'est non seulement première puissance mondiale, donc s'il c'est ça, c'est le plus gros pays qui gagne en Amérique là tout. Et dans le groupe de Lima, où sont cités quelques pays, m'a rappelé quelques pays, Canada, Mexique, Colombie, Pérou, donc Brésil, Argentine. Donc c'est des pays qui plus riches pratiquement dans zone là. Haïti journée aujourd'hui a une position très très délicate. Parce que Haïti est aussi une petite puissance de la Caraïbe. M'a rappelé moi aussi oublié que c'est Jovenel Moïse qui est président en exercice que président tournant pays Caraïbe. Et très souvent dans en cette internationale ça yo pays CARICOM yo gagnent pour pratique pour voter en tant que groupe parce que dans cadre ça aurait les COFCOR qui sont mécanismes que gagnent qui définit politique affaires étrangères régionales là très souvent yo qu'on entend yo à l'avance sous présidence sous impulsion présidence pays qui a assuré le président sonnant là pour discuter à l'avance pour connaître comment y a positionné yo mais selon information gagnent gouvernement haïtien réellement pas vraiment bail des consignes de vote. Et dans zone là, il y a des pays qui ont déjà envie aller vers abstention, il y a des pays qui ont déjà aller vers contre là. Pays par exemple qui est lié qui plus serré avec pays Venezuela yo, pays ça yo ont déjà envie voter contre. Mais il y a l'autre pays tout qu'a recevoir tant qu'on aime petite pression amicalement amicale ou un peu moins amicale qui dit parole grand nèg parole gros garçon pas pour yo pas capable calté chalet ça et bien c'est dans même objectif ça yo tout l'administration trompe là vice-président Mike Pence invité en série pays dont il réception il a fait ou qu'on est bail là c'est Washington l'a fait toujours gagne une réunion en marge. Et puis, ou même, ou c'est pays autres, donc, et de l'ordre doit fontiner, pour consulter avec Alio, pour garder comment ça fait. Donc, là, on invite au vin dîner, c'est pas manger, on invite au vin manger, vrai, mais c'est pas aller au besoin par l'avant, puis au tâte terrain. Et le pas en secret tout, qu'il y a de contact qui est établi entre gouvernement haïtien, et gouvernement américain, sous cause de ça. Même article où il y a, mouille article là tout, et moun ki l'écrit article là pas égaré tant qu'on t'a dit. Donc il explique que gouvernement américain
expliquer ça le tas du monde qui pensait même Javel. Donc minded, le monde qui pensait même Javel, le monde qui voulait le même Javel. Donc il était invité pratiquement 24 pays dans réunion et notablement Haïti pas invité. Et pas oublier mon rappelo que Haïti c'est leader région Caraïbes là, c'est le président en exercice. Donc ça son premier message. Et gouvernement américain ou kage tout problème avec Donald Trump. Mon paka dit le l'envie de son bagaille, il pas joli. Ça l'envie de là, le passe message là, clé. Et depuis ce vote dans l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a un message ça. Il dit bon série de monde, qui a vint manger nous, il y a vint fêta avec nous, il y a vint des restes manger sous table là, kay nous, et puis il y a organisé dans l'enceinte internationale là pour voter contre nous. En tout cas, on a dit, on a pris note. C'est ça, ambassadeur Nations Unies, États-Unis, hier, madame Nikki Haley, était bail comme message. Vraiment, son langage qui n'est pas trop diplomatique, mais le message avait le mérite d'être clair. États-Unis, il a mis tout le monde en notice. C'est-à-dire, n'importe monde qui a mangé, américain, qui comprend, on va venir chercher bien aéré la caille, nous, et puis pour aller parler, nous, mal, côté de la télévision, n'a pas réglé à vous. Les Américains passent ces messages là tout. Les dit bon kounya, bon petit parole, y aurait les TPS. Pierre-Renel René, guerrier Kavem, nous comptons petit parole TPS là, ça lié déjà. De temps en temps, faut font tirer nous voulez pour parce que nous-mêmes, nous pas qu'à recevoir Mounio. Ni nous, ni nous connaît ça. Ni États-Unis, ni Haïtiens connaît pour problème nous gagne. Pour tête nous, nous pas qu'à tuer. Ça nous touye, nous pas qu'à saler. Qui donc nous va pas recevoir moun ki aux États-Unis pour voir ou ba nou. Gouvernement américain comme ça, gouvernement haïtien comme ça. Eh bien, américain, peut-être probablement pas dit gouvernement haïtien ça directement, mais lui organisé que message l'arrivé. Parce qu'il dit ça en apporté à des moun, et moun sa yo ba il a pris information, hein. Gouvernement américain, pas dit comme ça, mais lui explique tout cas, gomba, y aurait les TPS dans zone, non. Donc, c'est ou même qui connaît, nan Richard Van Nancy, ou zouge blokis, ou bien gon côté y'a pan caoutchou machine, c'est ou kalpakin machine ou là, c'est ou connaît avant risque et péril, en dehors la tibonite la kaïmwe ou dou, c'est ou connaît qui mort en vie mourir, qui donc gouvernement haïtien, de repositionner, si votre n'a fait réellement jodi, a. Sauf que gouvernement haïtien doit Venezuela l'argent, les États-Unis, ses premiers partenaires pratiquement pays d'Haïti gagnent, et Haïti, gonti grenzano, m'di ti grenzano, même t'a dit, c'est pratiquement plusieurs milliers de tisano, moun ki gen TPS, qui en bas main Donald Trump. Qui donc voilà le vote du gouvernement haïtien. Et vote là c'est jeudi hein? Oui, s'il y a passé le vote c'est jeudi hein, puisque l'Assemblée générale a commencé depuis hier. Donc l'Assemblée générale là c'est jeudi hein, pays groupe de Limayo t'a décidé en vie de bagaille là au vote. Et Haïti m'a rappelé c'est leader régional, c'est-à-dire c'est leader communauté de la Caraïbe là. Qui regroupe 15 pays, dans 15 pays, il y a 14 là-dedans qui sont pays indépendants. C'est-à-dire 14 pays, ça, yo, membre OEA. Pays qui pas dans OEA, c'est Montserrat, parce que Montserrat pas un État indépendant, réellement, ils sont possession britannique. C'est-à-dire que 14 votes, CARICOM, là, il y a gardé Haïti pour lire, et Haïti en notice. Bah, et Haïti qui a dirigé la communauté, hein. Kofkor là, c'est ambassadeur Haïti qui a parlé à Mounio tout le temps, qui donc c'est Haïti qui connaît le ou la façon comment la garde est terrain. Gouvernement Jovenel Moïse là, oui Venezuela, on bouti bagay. Gouvernement Jovenel Moïse là tout, besoin bouti bagay dans les États-Unis. C'est ça que les diplomaties pas facile là. Là maintenant, on a besoin de beaucoup de tact, d'intelligence et de finesse. Et je ne vois pas réellement une vraie porte de sortie, pour être honnête. Mbatare mène en place président Moïse Mater. Bon, mais nous voyons que notre discours, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères haïtien, lui-même, il plaidait pour une solution vénézuélienne, la crise qui a passé dans le pays Venezuela. Eh bien, notre information peut-être ou pas qu'on est du sel, phrase ça tout,
pas entrer dans goût département d'état et me pas connaître sous état des ambassadeurs américains gagne dans ambassadeur Trujillo on prend phrase là pas fin tellement dans goût gouvernement américain. On parle de position vénézuélienne, en solution vénézuélienne. C'est ça veut dire, président Maduro discute avec opposition qui dit pas palavel. Yo tout décan au campé son bip point fait pas moyenne. Parce que discussion d'engagé déjà. M'ba qu'on sous son j'ai l'église catholique t'es médiateur. Après l'église catholique, yo t'es venu chercher ancien président Martin Torrijos Panama, Leonel Fernandez République Dominicaine, Zapatero, ancien premier ministre espagnol, t'es dirigé mission pour le garder s'il décan entendre mon yo. Donc pas vraiment des moyens pour entendre mon yo au Venezuela et au pas soubit entendre. C'est une lutte à mort pour le pouvoir qui est engagé au Venezuela. Et de fait, la crise économique, crase bagaille la plus toujours, qui donc deux pays, ça y est, alors deux blocs dans l'intérieur du même pays, hein, c'est pour voir tous les deux mesures près, on va en poser discussion encore. Parce qu'ils n'ont pas fait l'autre confiance. Discussion, l'église catholique a échoué, médiateur international Fernandez Torrijos échoué. Donc, on y a tout le monde qui a fait sous le point de faire par Moret. Donc, je dis à force séparation faite soit je dis à soit ou l'autre jour. Et Haïti, obligé de positionner. Non mais bon m'a regardé dans un article Nouvelle Isla côté que yo dit Nicolas Maduro qui t'a parlé pendant un congrès patillon et ben il rappelait décision pour retirer Venezuela dans OEA. Il existe un processus qui a entamé depuis l'année qui dernière. Oui, et qui a fini en avril 2019, il dit le Venezuela à qui va quitter OEA n'a fait une grande fête nationale. Donc Venezuela lui-même pas peur quitter ou bien pour ta suspendre. Non, ouais, depuis le premier vote la table faite là, m'a qu'on changer le ma et Arvel Jean-Baptiste, mon ambassadeur Haïti à l'OEA, le monsieur Jean-Baptiste fait discours. Depuis le ça Venezuela, c'est qu'il a pris une décision pour quitter l'organisation hémisphérique là. Mais l'important n'est pas aussi seulement cela de ce côté, c'est réprobation internationale là qui ont déjà de très mauvais goût parce que les condamnés dans le cadre de l'OEA. Donc c'est pratiquement tout continent qui dit son fait à pas bon. Donc Venezuela lui-même pas fin tellement de problèmes pour le quitter d'ailleurs. D'ailleurs, il est tellement de sortir. Il est tellement de bras comme bois. Mais il n'a pas envie tout pour le get toute réprobation internationale là. Parce que l'Union Européenne est une élection mal faite. Groupe de Libab dit élection mal faite. Et dans la zone là, ça tape celle très très mal. Pour le regarder, mon l'icône va y manger la Kaili. Et puis pour ces gens qui parlent pas le mal dans Richavan. Donc réprobation internationale là, gouvernement pas réellement besoin ni. Et que des pays tout sous le Venezuela, les autres gens sortis, tu peux bien aider le René pour donner avec des milliards de dollars. Ou c'est mon cap vin parler le mal encore dans la télévision. Bah qu'on est si figé dit son qualité. Mais la voiture dit en pile. Non mais on vote tant qu'on abstention, pas bon pour Haïti, non? Mon cher ça qu'on rive que me voter déjà. Et Mabdou. Et bon, on paraphraser Denis Régis qui pigre toujours. Denis Régis qui s'est ancien par au moins qui s'est représentateur Haïti et des Nations Unies. Très souvent il dit abstention. Pratiquement, c'est le pire des votes possibles et imaginables. Et donc, l'on fait abstention, Pierre est tellement exprimé. Ni moun qui pourra, ni moun qui compte là, pour nous, on t'a cherché fond ennemi, ou pratiquement, presque y a des ennemis là, oui. Avant de décider aussi à sensible, y en a quand on t'a essayé ou faire ou perdre à cause des abstentions là. Et y aurait droit, moun qui gagne, y aurait droit apprécier abstention, hein. Mais mon petit père dit, Al-Kadi, c'est lâche, ou pas fidèle, ou pas sérieux. Très souvent, abstention, regardez, elle qu'on servit. Mais, eh ben, toutes les, non, pas avoir un gars servi. Regardez, là, on obligé de prendre une droite là. Mais j'ai bien peur que Haïti, qui m'a bagaille qui t'est arrivé, de laisser si avion en temps, panne pour ambassade Haïtien, ou bien ministre affaires étrangères Haïtien, Patrice de Washington, ou comme j'aime de l'avion, pas de voler, t'es gros mauvais temps. Il y a des lèvres par un mauvais temps diplomatique. Son bon bagaille, lié, oui. Il y a des lèvres, une grippe diplomatique est une très très bonne chose, oui.
Gade le papa pito malade diplomatiquement, vous savez pas où cal l'itel papier, ou cherche un adjoint au Sibalten, ou tout fatigue ou quoi, agenda serré, qui pour aller l'ido communiquer ça pour ou aller l'ibagay ça pour ou. Donc son dossier. Aïe, c'est des bagages, ou bon, vu maintenant la donne. Oui, son dossier très sensible, Fernando Estiné. Mais qui ça Haïti, est-ce pas qu'il y a une possibilité pour Haïti t'attirer profit de dossier ça? Merci. Ah, non, maman. Ou est-ce que t'as bon échec ou y'a un bon profit? Bon, faut-y valo. Administration, ton plan, décide de prendre note sur votre Haïti, ya, et la considérer TPS là comme les vrais du vote là. TPS, ça veut dire presque 59 000 moun, 58 000 moun, ou gagne pas de papier normal, y'a net aux États-Unis. Ou gagne pas comprendre le message là, frère? Donc, ça, c'est une forme de pression, ça. C'est pas une forme de pression, ça. Oh, ok, mais je suis content, vous êtes très intelligent, ou li nan gros livre, mais pression, sous tes métamicales de elle, vous la fait un petit pied. Et bien, ça m'y met dans un ou un membre. Donc, il y a ce type de pression amicale également dans les relations internationales. Est-ce que vous prenez un monde dans gendarme? Pour un écrit dans la police, il faut que 18 ans, l'image, et bien, Haïti marche, Haïti vit dans gendarme. Venezuela lui-même pour donner 2 milliards de dollars américains. Et lui-même lui a fait pour tête pâle. Sous TKP, tout d'un coup là, il tape bon boulot. Qui donc c'est où qu'on est, comment positionner. Mais où est Grenzano, la caille de l'enfer. C'est où qu'on est qui Grenzano, puis bon boulot. Ou bien quoi, mon cal, faut t'imaginer la Tibonite. Ou bien les Anglais, pour faire des enfer, vieux poser. Et ou même, si soit absent sur Casso Vemizou, mais gardez l'emdou, c'est pas présent que t'es capable de au lieu d'abstention. Gardez les pitons absents, papa. Gardez l'on fait signer là, quoi. On dit, ça m'était perdu dans Richard Vane, qui fait ma croise avec Pierre Renel René, pour qui ça m'bat passer dans Ricardois. Eh bien, gardez les pitons absents, oui, frère. Mathieu Mbattaré, mais dans la place président. Là, je vous le dis, c'est sûrement. Bon, bah qu'on est non là même comme spécialiste ou faut parler et bah qu'on est des jeunes quelque chose. Expliquez-vous dites yo parce que même ballon Haïti est d'être envers Venezuela. États-Unis pas dit comme ça mais il assure que message la sorti. Il dit Haïti pas oublié au bon petit parole TPS pour parler avec et ambassadeur Niki a il était en bail message là bien. Il gars nèg vinn manger l'argent États-Unis pour qu'on ait les vote pour aller voter ou pas voter dans même ça États-Unis. Donald Trump a gagné tout défaut. Mais il a joué maman, il a joué maman dans figo. Il n'a pas eu commission pour Saint-Pierre. Donc Donald Trump, clair, il a toujours dit, n'importe qui a pris position contre lui, veille, organise, mais lui-même, l'a pris Globi devant. Qui donc Antonio Rodrigue Claude Boa, qu'on a fait, il a sous l'ambassadeur Haïti, c'est Antonio Rodrigue qui est chef de délégation. Donc c'est Antonio Rodrigue qui pour jouer le rôle grand diplomate, l'on est diplomate, gagne les pour regarder si bon si on a bon choui, pour faire moun douce. Donc, m'bah, on est comment l'a fait moun Washington DC douce. D'ailleurs, gouvernement américain qui est un moutre rôle pas content, lui tellement pas content, malgré le leader régional, où elle choisit son bagage, il t'a invité. Ça, son gros message, il t'a chaud. L'a invité 24 pays non bagage, ou même où c'est président d'exercice, communauté de la Caraïbe là, qui a 15 pays là-dedans et 14 là-dedans, on a où là, où elle choisit par invité. Message la clé, pas de capricle qui ça. Gouvernement américain en fâché et décide de jouer beau sale. Message la clé, oui. Et là, comme si là, on a les âmes sous, ou qu'on envoie le bras balle, non? Gédé, les dépinards, ou tout est en qu'on en sous balle. Parce que gouvernement américain passe message là, ou président exercice dans CARICOM, ou même Canada qui a fait sommet G7, où elle invite. Ou elle la sous-traîne 4 pays, malgré l'idée 14 là-dedans, ou on choisit par invité. Ça a dit message là, ou passer le clair, gouvernement américain, décidé, régler tout le monde qui va camper dans l'Uni. Et les Donald Trump dit la réglo, nous clair sous ça, la réglo. Donc, message là, passé très clairement. Qui est au gouvernement haïtien, qui est pour devoir lui-même, pour essayer d'arrondir les angles avec pouvoir en place, pour tout le monde qu'on est sous même longueur d'onde, et pour définir stratégie à pas appliquer à très vite, parce que l'air presque arrivé, si vote a fait réellement, pour qu'on ait, est-ce que y a fait abstention au risque,
si Venezuela perdit vote là, Haïti fait abstention, Venezuela probablement fâché contre le gouvernement haïtien. Si États-Unis perdit vote là, parce que le gouvernement haïtien fait abstention, l'a dit, bon, pas de problème, c'est ça, au fait, m'a réglé, parce que le message est très très clair. Les affaires d'État, comme je dit ici, il y a deux jours, je me suis invité tout. Donc, c'est à cause d'intérêt qu'a réglé. Donc, c'est où qu'on est qui j'en fais. Ou bien, est-ce que Haïti va aller dans le camp, groupe de Lima, qui réunit 14 pays continents, ou bien, est-ce que Haïti a prêté comme un allié fidèle, pays Venezuela, quand on j'en Nicaragua, il, Nicaragua, quand on j'en Bolivie, il. Donc, soit campé sous bit ça, c'est où qu'on est. Mais, gouvernement haïtien, pas grand pile temps de vendre pour le mettre en musique, et positionnant. Parce que très souvent, diplomatie à papa, son symphonie boulier des fois, oui. Son bagage là, 1200 pile. Et maintenant, là, faut nous taguer quelques petits bonbons si vous. Pour nous garder côté d'un petit peu, non? D'accord. Fernando, même avec yeux, on a dit, novice que mien dans la diplomatie, Venezuela, les mêmes, les mandés pour retirer tête li, dans OEA. Donc, oui. Est-ce que ça t'a dit si Haïti, votait contre lui, c'est un grave, puisque moins, c'est comme si moins déjà d'accord pour retirer tête moins, donc c'est pas tout, c'est pas un gros problème. Venezuela, si d'accord pour le retirer tête lui, mais Venezuela a demandé pour voter, pour dire que la Kaili pas bon, non. Okay. On fait différence dans la phrase là, oui. Sauti dans OEA, c'est une histoire. Mais pour la communauté internationale, là, notamment 33 voisins, décider, pour yon dit élection la Kawa, son élection volée liée, son élection coûte Malta et liée. Ça, c'est l'autre histoire liée. C'est contenu, alors. Mais si on comprend une situation, et dans ce nom, tant qu'on me joue, dernier qui doit Venezuela, et Venezuela rase, peut-être pas le d'avant de toucher. L'autre où on est, malgré le pas monter manger la Kaili, m'gé 500 gouttes là, m'gé Pierre Renel, m'gé comme de chaudière sous 10 fées, m'balbaï Pierre Renel chalet, m'dit Pierre Renel demande m'gé prêter pour un an. M'a quitté Pierre Renel avec un an de vendre, même si m'fait 6 mois dans un an m'a mangé, qui donc au cas d'y sauver, Venezuela a été si utilité le bois Haïti, et États-Unis, c'est pas seulement si utilité nous cas d'y l'école là, nous connaissons comme l'école aussi États-Unis, comme Kaila c'est États-Unis, toute machine deuxième, troisième, mais nous gagnons, mais nous quatrième, mais nous gagnons, mais nous gagnons, mais nous c'est États-Unis, et nous gagnons presque 58 000 mounes, même si nous avons un petit gens moins. Il y a un canon 50 de milliers qui bénéficient de TPS là. Mon TPS, c'est un. Bon, reste pour nous gagner qui est illégal après TPS là. Parce que nous continuons de nous parler sur la frontière mexicaine. Non. Nous qui passent dans l'autre route, nous connaissons. Nous qui sont Brésil à Chili, qui battent toute rage, qui arrivent au Mexique, qui passent Tijuana, qui lagent sur la frontière California. Qui donc, mon TPS, c'est un. Mais nous pratiquement gagnons, même parce que même force là encore, oui. Non, mon qui passe en bas fil. Après TPS la REPA. Qui donc de fait, si le gouvernement américain décide de faire nous payer fréquence, non, je ne vais pas dire non, il y a moyen même pour le faire payer fréquence. C'est ça que je me dis matin. Hein? De toutes les manières, gros nec c'est l'État. Je ne sais pas comment le président a compris la situation. Hein? Mais pas vraiment grand pilote. Non, et comme des îles de côté le mal est infini. Je ne sais pas dire de côté le mal est mal fini. Mais entre la peste et le choléra, il faut bien choisir. Donc, on va y vouloir, oui. Oui, oui, oui. Bon, moi, je dis. C'est l'État. Et Haïti, pas seul pays qui n'est pas invité dans la réception spéciale, ça, non? Avec raison, parce qu'il y a des pays que vous connaissez, ils ont dit, ça, c'est pour les dire là, oui. Et bien, c'est ça que je représente un danger pour Haïti, oui. C'est-à-dire, le gouvernement américain placé Haïti, dans le bloc zami Venezuela yo. Est-ce qu'on prend yon cela? C'est-à-dire qu'on nèg yo connaît ses fanatiques réalouillés. Vous comprenez? Même qu'on nèg qui fanatique Barcelone, qui se combat et l'autre joue qu'intelligent pile. Le final, la Real fait goal, monsieur content. Me dit, comment faire content? Monsieur dit, mon cher boss, moi, ou content, m'ou content tout. Et de pour content, Real champion, nous va le boire bien avec Champagne là ensemble. Qui donc, il organise le même pour Barcelone, les content Real gain pour le cabo et bien. Et bien, de fait, Haïti lui-même Kounia, gouvernement américain, mettez le allié fidèle Venezuela. Étiquette, ça me bat certain que le gouvernement haïtien
on prend costume n'a costume yo qu'on fait pour costume n'a gade le ou comment j'amdou la le 4 ou 6 ou l'âge pour ou on est l'on est qui sexy t'a qu'on fait nando ou pas qu'elle pour costume pour costume n'a pas prend ni papa ni grand papa non costume n'a pas si posé trop l'âge c'est pour ou lié sous mes ou pour le fait li pas qu'après 3 moun la donne n'a gâche ton costume costume n'a souli costume n'a pas prend ni papa ni grand papa ni arrière grand papa et faire fait le fait Haïti a marché sous des œufs. Et m'a pas fini de connaître si nous bon à combattre. Faut très bon dans la gymnastique. Oui. L'autre marché sous eux, parce que si c'est cassé en bas, on paye pour casser eux. Tout à l'heure, où t'es fait allusion, là, m'a parlé de pression, on parlait de pression amicale. Et là, où t'es allé question au TPS là, est-ce que Donald Trump, c'est seul décideur dans le dossier ça, dossier TPS là? Ok. Kounya bon, faut-il poser l'autre question? Ou est-ce que l'autre monde dans l'équipe Donald Trump là, si Donald Trump décide pignon nègre qui a empêché le pignon monde là, eh bien mon cher, ou est-ce que là, ou est-ce que là, dans ton nouvel tout, Zamam, Donald Trump c'est le boss. C'est lui qui a décidé sur sa concerné pouvoir exécutif là, Zamam. C'est pas la justice américaine. Tout le monde qui travaille, c'est pour lui à travailler. On est pas en opinion, Donald Trump par aimé, lui en via le nom l'autre camp, la prévoco, et puis, vous l'allez dans le camp de bralier. Non, l'âme de vous faire allusion. Mais si vous avez sauté nucléaire iranien, malgré tout le monde dit qu'il n'a pas sauté comme ça, il dit c'est fini, il a sauté. Vous rendez ça, maman? Donald Trump, son équipe est très droit dans d'autres lits. Donc, dans d'autres lits, tout, dans ce d'autres lits, il a observé avant. Et la justice américaine. Et bien, si Donald Trump l'a observé avant, maman, je vous assure, c'est pas un ennemi qu'il faut avoir. Il est plutôt rancunier, ce type. Donc, m'assurez-vous, soit cherche un ennemi, pas chercher Donald Trump comme ennemi. Non, non, vous devez faire allusion là avec la justice américaine. Oui, mais justement, sous dossier TPS, là, c'est le gouvernement qui a décidé, c'est l'exécutif qui a décidé, okay. C'est DHS qui a fait recommandation, le département de problème de sécurité qui a fait recommandation en amène. Donc, c'est le secrétaire, c'est le ministre intérieur pays qui a décidé. Donc, c'est misère, il faut trouver le travail, il faut trouver le travail, non? Donc si Trump dit la banille les pièces là jeudi à la banille les jeudi à s'il dit la prolonger le bout 3 ans la prolonger le bout 3 ans Et c'est le chef là Zamam. Fernando, est-ce que ou au courant de présence des émissaires américains dans le pays depuis quelques jours là en cas de pression même il a fait sous autorité haïtienne pour ta mais si nous voulons mettre pression mettre amical la donne mais si faut mettre amical la donne. C'est-à-dire, ces amis qui parlent à amis, ou bien doit apprendre pour message, ou bien doit apprendre pour pression, ou bien doit apprendre pour information. Mais pas du lieu, tout ça, tout là, ou même ou interpréter le jonglé. Je dis ce que je dis, et toi, tu comprends ce que tu comprends. Oui, mais pas moi, je prends des exemples banals. Fernando, pas gain amical, pas gain amical, non, discussion côté, où venez poser. Où venez oui, poser, ou pas bon, ou pas bon. Ou qu'on est, faut mettre quelques bails pour nuancer bails, yo. Faut nuancer bails, yo. M'a le poser une question très simple, tu vas comprendre. M'a parlé avec officiellement de Fernando, est-ce qu'on a un ménage? Moi, je dis non, pas de ménage si a décidé avec. Après 2 mois, il voit une photo, bon, il dit, mais photo madame ou Fernando. M'a dit, oui, c'est ma femme. Parce que, il te demande si m'a pas de ménage. Moi, pas de ménage. Je suis un monsieur marié. Donc, moi, je dis, m'bagé ménage. Donc, le gars, je sais ça, yo, yé, a. Question posée, a. M'bon repos, m'bandé, a. Mais c'est où qu'on est, où interpréter le Jean Pipito. Donc, là, on dit, moun, bah, là, vous. Ou même, on doit considérer le coup pression. Ou qu'on doit considérer le tout à coup information. Moun, n'a dit ça, le dit, a. Ou même, on interpréter le Jean qu'a interprété. Et c'est normal que le gouvernement américain, parle avec le gouvernement haïtien, pour raison qui est très très simple, moi je dis encore, non seulement au besoin Haïti, mais Haïti, je ne veux pas dire, c'est leader régional. C'est Haïti qui a parlé dans nos 14 autres pays caraïbes. Parce que c'est Haïti qui a assuré le président sur notre CARICOM. Non. C'est dirigeant haïtien qui a mené le débat dans le cadre de COFCOR-là. COFCOR-là, son mécanisme que CARICOM a gagné, qui a défini la politique internationale. Pays, ça, yo, puis yo mette bagay en musique. C'est-à-dire, ben, yo pral vote ton côté, puis yo vote même gens, puis yo capable gagner même position. Donc, c'est normal, sous représenter tête ou, et pour capable à 14 l'autre monde, faut moun bal avant, puis yo djou, mais qui j'ai appris à nous voter. Et c'est pas sans raison,
pression extrême journée aujourd'hui sous gouvernement haïtien parce que Haïti non seulement représente Haïti mais ou qu'on Haïti gen des paroles li kabay nan kofko même si si Haïti parle mal États-Unis gen moun li nan kofko k'ap vin rapporter li tout oui et ça c'est très souvent leur parler faut quitter match de manœuvre pour sortir tête oui qui donc de fait gouvernement américain mettez gouvernement haïtien en notice. C'est-à-dire, d'où y a veillé, comprends-nous avec 24 mon invité, ou ces leaders régionaux, y'ont pas invité, y'ont pas de cabot, pis bon message qui est ça. Pis gros message qui est par rapport à ça, après ça, c'est ces ou qu'a saisi, ouais. Première ligne, y a coupé, n'a appui budgétaire, y'a pas là où c'est pour la coupé. Fernando estime, pas t'as doué gain surprise, hein, si n'a pas retourné sous position, Haïti toujours exprimé dans crise ça, et qui concernait, Venezuela, et position que nous gagnons, on a ouvert, on songeait, et qui ça représentant Haïti a t'es dit, qui position que l'te prend. Et je dis, hein, Haïti, non, ok, mais pose une question. Est-ce qu'on connaît même côté à tout le tout bas dans boss? Oui. Ah, ok, m'bien comprendre. M'bien quand on comprend. Vous finissez dire mes belles discours, t'es fait. Mes belles discours à tout le travail et tout. Donc, est-ce que ça veut dire que nous pourrions aller dans ce sens-là pour nous faire plaisir à Américains? Parce que c'est ces questions, ça me d'abord le pose. Faire plaisir, avant nous arriver. Avant nous arriver. Dans la relation internationale, on va chercher d'être en vie. Avant nous arriver dans votre là, dans les yeux spécialistes, et qui jouent où est votre là pour aller là? Est-ce que n'après le voter, c'est pas question, c'est pas qui si ça n'a dû comment t'as dû voter non qui choix n'a dû faire non dans situation ça qui soit être prêt à le fait là qui j'en a voté est-ce que ouais Haïti a voté pour retirer et Venezuela dans OEA ou bien non. Si regardez intervention ministre Rodrigue là ministre Rodrigue plus semble lui mettre quoi une demi dole t'as coupé blanc d'azur mais peut-être qu'il est au milieu même pas certain que même au milieu a bien place pour lui. Parce que j'aime pas aller à le gouvernement américain parler là, dès le gouvernement américain, dès la même abstention, dès le pape satisfait. Au content de l'air où mon grand nègre fâché, dès l'impression, dès la même abstention, pape satisfait le gouvernement américain. Et on dit grand nègre, c'est l'État. C'est ça que t'es pissage pour le gouvernement haïtien, lui-même, lui, il est en vie à arriver à abstention, hein. Mais t'as comment même des bonnes explications à aller là. Si vous êtes malade pour le battre aller dans votre là, c'est plus mon bagage qui t'est arrivé personnellement. Pas égayé, laissez pas président pour pas président du tout. Non, mais c'est Haïti quand même. Votre sagesse, votre labraléa, n'importe qui on fait le lien de mal passé, pas oublier, me rappeler tout, ou style de Venezuela, des milliards de dollars américains. Donc, on va finir tellement bien intérêt, c'est le fâché. Et gouvernement haïtien obligé cohérent. Parce que président, quand tout elle n'a pas de travail, pour te féliciter Maduro, j'en dirais, mais féliciter l'autre monio. Mais ma brave le ministère Affaires étrangères est sorti en note de presse ou bien communiqué salvé pour saluer Victoire Maduro. Oui, ma parole de ministère Affaires étrangères pays d'Haïti, qui donc souffle une sautille.